deuxième vidéo sur les présentations de consoles. Là, ce n'est pas un pixel zoom, ce n'est pas le retraçage de l'histoire de la console, c'est juste la présentation de la console. On est encore en compagnie de Harry Raptor et les vidéos ne seront plus montées par moi, je précise toujours. Ah là, cette bonne vieille GameCube, elle a du mal à se vendre celle-là. Hein. Vous savez pourquoi elle a du mal? Bah, parce que c'est une console qui se veut familiale, la GameCube. On est d'accord, c'est un petit côté familial. Et quand t'es en famille, bah, t'aimerais pouvoir profiter d'une console un peu plus multimédia, lire de CD audio, lire des films, bon. Bah, c'est pas possible, et c'est ça le principal atout que la Wii aura à revendre par rapport à la GameCube, c'est que la GameCube ne peut faire que jouer aux jeux vidéo. Et c'est un peu light quand on voit que la PS2 lit des films, lit des CD. Voilà, bon, on va pas se mentir, la PS2 elle fait plus quoi. Hein. Puis c'est vrai qu'elle est quand même sortie en 2003 chez nous, alors que je vous rappelle qu'en 2001, elle sort au Japon. Je crois. Hein. Entre fin 2001, début 2002, elle sort au Japon. Nous on a dû attendre 2003. Oui, le marketing chez Nintendo est très poussé. Mais c'est pas pour autant que la GameCube. C'est mal vendu. Non, par rapport à une Dreamcast, elle est au-dessus. Par rapport à une Xbox, elle est en dessous. Voilà. Malheureusement, elle n'aura pas eu le succès escompté. Il faudra attendre la Wii. Bon, cette fois-ci, on vous présentera les manettes avec, parce que là, on en a. On présentera plutôt la meilleure des deux, celle-là étant un peu exécrable. La GameCube avec une carte mémoire et deux manettes. J'ai eu ça pour 20€. Vous me direz dans les commentaires si c'est une bonne affaire. Les manettes sont totalement fonctionnelles. Il y en a juste une plus grave que l'autre, un peu. On va donc aussi parler des jeux, donc bah là j'ai deux jeux comme ça. Il n'y a pas eu de différence notable, il faut juste en fait, voilà, par rapport aux pastilles de couleurs qui sont ici. Ça c'est représentatif sur tous les jeux Nintendo et encore aujourd'hui, il y a un code couleur qui veut dire quelque chose, mais je ne sais plus ce qu'il veut dire et je me semble que Concurax m'en avait parlé. On avait parlé sur une de ses vidéos, ces pastilles de couleurs, vous irez voir, ça veut dire quelque chose. Bon, en soi le design de la console, c'est assez futuriste parce que bah, ils ont réussi à intégrer une carte mémoire dans un carré. Eh, parce qu'il faut bien comprendre que là, t'as la RAM, t'as la carte graphique, je sais pas, t'as le processeur, tu vois, t'as tout ça. Et là, c'est dans un bloc carré. Est-ce que c'est pas futuriste? Si, et puis ça semble portable. Avec ouais, c'est sûr que la console se veut transportable, tu vois, déjà, elle est carrée, donc elle est petite. Tu vas chez un pote, il a pas de console, enfin, il a pas cette console, t'aimerais lui montrer, je sais pas, moi, bon là, j'ai pas, mais Mario Party pour jouer à plusieurs. Tu prends la poignée, tu la transportes, elle est légère. Dis-moi un peu ce que t'en penses au niveau du poids. Dis-moi si elle est légère par rapport à une PS2 normale. Hein. Ouais, bah ouais, c'est sûr. La PS2 Steam. Voilà. Non, sincèrement, elle a vraiment des qualités à revendre, je trouve. Mais le problème de cette PS2, c'est qu'elle ne s'est pas adaptée non plus à l'ère du temps. À l'ère du temps où sur la Dreamcast, t'avais les premiers microphones pour jouer en réseau sur Quake 3, qui était un jeu juste génial, qui permettait de jouer en réseau, bah celle-là, elle a eu que deux pauvres jeux réseau. Voilà. Fantasy... Deux ? Ouais, deux. C'était pas genre Final Fantasy, un truc ? Non, c'était Phantasy Star Online, à pas confondre. Une autre série. Et Star Ocean. Enfin, c'était des RPG quoi. Alors que pourtant, l'adaptateur il était prévu. Regardez. Là, ici, il est marqué High Speed Sport. Là, il est marqué Serial Port 1. Et là, il est marqué Serial Port 2. Je pense que ici, on pouvait mettre soit l'adaptateur réseau ici, je sais plus où il se mettait. Soit on avait ici, soit on avait ici. Dans ces trois trucs que je viens de vous démonter, il y avait un adaptateur réseau et un adaptateur pour jouer à ces jeux GBA, donc Game Boy Advance ou Game Boy tout court. Hein. Sur sa console et ça permettait d'avoir des bonus dans certains jeux. Bon, le problème c'est que vous allez me dire à l'époque, il y a des gens qui ne comprenaient pas trop pourquoi est-ce que Crash Bandicoot, qui était une mascotte emblématique de PlayStation, se trouvait sur Game Boy. La PlayStation 1 ne possédait pas de console portatif et en fait la plupart des bons jeux type Spyro qui ne sortaient pas sur GameCube, hein, bah, se retrouvaient quand même sur Game Boy. C'est là que la Game Boy arrivait à faire comment dire, énorme vente. C'est que tous les exclus Dreamcast, Xbox, enfin Xbox il n'y en a pas eu beaucoup sur Game Boy, bah, se retrouvaient sur cette fameuse console portable. Et bah, sur les exclus comme Mario, je sais pas moi, il y avait des exclus Mario par exemple, et bah, ça te permettait d'avoir des bonus en jeu. Voilà. Ici on peut retrouver un truc qui est vraiment très, très intéressant, c'est ATI. C'est la marque qui a décidé de laisser son logo sur la console pour dire bah voilà le processeur c'est ATI. Parce que la GameCube c'est la plus puissante de sa génération. Elle est plus belle que la PS2, plus belle que la Dreamcast. Elle est un tout petit poil plus beau que la Xbox. Et ça, c'est cool. C'est dommage cependant que ça soit elle la plus puissante parce que bah, les jeux Nintendo, c'est du cel shading, c'est du dessin, tu vois, c'est pas du réalisme. Donc bon, c'est dommage. Mais il y a eu de véritables pépites sur cette console. On va la démarrer, on verra les menus qui sont juste magnifiques. Alors là, le menu,
Il est tout con, mais il est tellement bien pensé, d'où le fait que la console soit en cube. Vous commencez peut-être à deviner. Sur le dessus, on retrouve le logo qui ressemble à un CD plus petit, ça vous semble bizarre. Et la GameCube est en avance sur son temps, et on reparlera de ça après. On va poser la console par terre, on a donc les trois Enfin, supports sur la table. qui sont ici. Donc, on va commencer par la face avant. Nous avons donc les quatre ports. Tu me dis hein, si tu as des choses à rajouter. On a donc les quatre ports qui sont un peu boursouflés. Enfin, on voit que ça sort. On a le port manette 1, le port manette 2, le port manette 3 et le port manette 4 qui sont matérialisés par des petits points. Et j'ai l'impression que c'est la même connectique que pour les N64. Je ne pense pas que les manettes de N64 soient, puissent être compatibles. Mais voilà, voilà à quoi ressemble un port. Donc c'est assez différent, c'est pas un port de manette PS2, c'est pas un port d'Xbox, c'est pas un port de Dreamcast, quoique je sais pas comment la Dreamcast elle est, mais bon. Voilà, là on branche sur le port numéro 1 et la deuxième manette, on peut la brancher sur le port numéro 2. Logique. Voilà comment ça se branche. Le fil est, ma foi, plutôt résistant. Et on a un truc qui est quand même comparé à la manette de PS2 que vous avez cette espèce d'encoche qui est longue, tu vois. Là, on est vraiment sur un truc plutôt rond, ça fait assez stylé, je trouve ça assez futuriste. Et les manettes de GameCube sont encore aujourd'hui et toujours utilisées pour certains jeux, tant l'ergonomie de ces manettes sont exceptionnelles. Je peux vous dire que sur Smash Bros, on a fait un tournoi à 8, qui devait d'ailleurs sortir sur YouTube, mais bon, je pense que... Il va jamais sortir. Les 14 heures de vidéo, non, il n'y avait pas 14 heures, je crois, il y avait 8 heures de vidéo, gros. 6 heures, entre 6 et 8 heures. Ouais. En tout cas, des super manettes. Voilà, des super manettes qu'on présentera après. On va juste montrer un peu le look de la manette. Voilà, ici même. Et on va pouvoir, sur la face avant, c'est fini. On a ici les petits patins. Et là, on n'a pas de support pour la mettre à la verticale. Ça sert à rien puisque c'est un bloc, c'est pensé pour être posé comme ceci. On va d'abord remettre les caches. Donc, le grand cache qui couvre cette partie. C'est bizarre qu'ils ont mis autant de caches parce que du coup, il y avait vraiment plein d'accessoires à mettre à l'arrière de la console. Et je sais pas ce qu'il y avait trop comme accessoire, à part l'adaptateur GBA, mais vous me direz en commentaire. Et on verra ensuite. Par la suite, qu'à l'arrière, il y a encore d'autres choses. Sur la face avant, je trouve déjà, comparé à la PS2, quel est ton design préféré sur cette génération de consoles? La GameCube ou la PlayStation 2? C'est plus simple quand même le GameCube. Tu préfères la GameCube en termes de design. C'est vrai. Je ne vais pas te mentir que j'ai un petit charme pour la GameCube. Bon, là, elle est un peu sale. Hein. Alors, sur la face avant, on va pouvoir venir ici, voir un peu la face avant. La face du dessus, on a donc le représentatif qui représente en fait bah, l'intérieur de ce qu'on peut y trouver dans la console pour mettre le CD. Le CD aura bien cette forme-là, on reviendra après. Ici, on a le bouton Power qui, lui, par contre, est de couleur blanc. Ici, on a le bouton Reset qui ne sert vraiment plus à rien. Je pense que ça c'était un peu en retard parce qu'il faut savoir que les CD ça avait plus besoin d'être reset comme une cartouche. Bon, maintenant le bouton reset, même sur Bah PS2, sur PS2 on l'utilise souvent. bah sur PS2, si, il suffit d'appuyer juste une fois Une sur fois. power et ça rallume la console. Et si t'as appuyé longtemps, là ça éteint la console. Voilà, et là c'est pareil pour open, on appuie directement sur. Voilà, ouvrir le CD. Ici, qu'est-ce que c'est le petit tiroir blanc? On verra après, mais c'est une LED ultra belle, je trouve. Et ici, vous avez bien le lecteur CD ainsi que ici le petit. Clapet. Voilà, ici on a le logo Nintendo et là on a Nintendo GameCube qui fait un peu cette police d'écriture assez futuriste. Je trouve vraiment Ouais. sympa le petit rond noir là. Ils auraient pu le mettre transparent pour qu'on voit essayer de tourner. Ouais. Ça aurait été stylé, mon gars. Sur les côtés, on a donc premier truc, on a un dissipateur thermique pour ceux qui ne savent pas. Un dissipateur thermique, c'est en gros c'est une espèce d'aspirateur de chaleur mais sans ventilo en fait. C'est juste, il va entraîner la chaleur à sortir de la console. Et là, on va aspirer la chaleur pour la faire sortir de l'autre côté. Donc là, on a le ventilo qui est de l'autre côté. Ensuite, pour la face arrière qui est la plus importante, on a la poignée qui est très jolie. Une poignée vraiment très ergonomique pour la transporter, c'est génial. Bon, c'est un petit kiff. Ici, on a quand même les charnières. On voit que la console manque un peu de finition. La charnière, on aurait pu la recouvrir pour ne pas la voir quand on loupe que ça fasse ça. Bon, après, peut-être que c'est pour qu'elle soit comme ça. Et alors là, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'adaptateur réseau qui se met là et donc pas en dessous? Là. C'est le port vidéo qui est un port RCA. Et là, on a l'alimentation. Parce que oui, pas comme la PS2, vous avez le fameux bloc d'alimentation. Là, il est à part. Il n'est pas inclus dans la console parce qu'elle est déjà plus petite que la PS2. La PS2, tu sais, il y a le gros bloc à l'intérieur. Tu as juste le petit câble. Là, tu as le câble avec le petit bloc. Vous voyez ce que je veux dire? On va maintenant parler vite fait de la carte mère. Donc, ça ressemble un peu à une carte mère PS2, mais ça vaut un peu plus cher.
Ça vaut à peu près 10 balles ces trucs parce que bah on les perdait souvent vu qu'elles étaient plus petites. Donc voilà, faites bien gaffe parce que c'est assez petit. Et comme les PS2, on pouvait ranger ces cartes mémoire directement à l'intérieur. Donc voilà à quoi ressemble un disque de jeu de PS2. GameCube. Parfait. Voilà, il est beaucoup plus petit que la normale. Je donnerai les détails de pourquoi et de comment. On a ici le manuel. Ça ressemble vraiment à une jaquette classique qu'on pourrait trouver sur PS2. Je pense que la taille du manuel doit être à peu près pareille. Il m'a l'air un peu plus étroit. Ça tombe bien parce que là j'ai tout, j'ai même encore le petit livret Nintendo qui était fourni, Nintendo GameCube. Bon, c'était de la prévention. Bon, personne ne lisait jamais, hein, on est d'accord, t'as même jamais lu ça sur tes jeux habituels. Mm. Hein. Les petites notices qui étaient en noir et blanc, c'est devenu la mode de mettre les notices en noir et blanc. Voilà, bon, c'était une notice qui venait de plus en plus light. Et là on pouvait regarder, obtenir des cheat codes et des. Ok, donc là je viens d'apprendre que EA offrait des cheat codes aux gens qui rentraient des passwords. D'accord. Les cheat codes. Sur FIFA. Oh regardez, j'ai grossi la tête des joueurs. Vous vous souvenez sans doute de cette cheat code qui était disponible dans GoldenEye 007. Mm. Qui permettait d'agrandir la tête des joueurs. Ouais. Bon, bref. Alors, pour un jeu Nintendo, c'est simple. On a Original Set of Quality, qui veut dire que c'est bien un jeu officiel Nintendo. C'est ici. On a le licence Power Nintendo. Et là, on a PAL, une version qui... dit donc que le jeu est européen. Ici, on retrouve le symbole qui définit les quatre manettes. Regardez, on a la manette et les manettes superposées au-dessus. Je sais pas si tu vois bien, tout en haut. Et juste à côté, on a quoi? Parce que je vois pas. On a la carte mémoire, c'est ça? Le nombre de blocs qu'il faut prendre sur la carte mémoire. Ouais, c'est ça. C'est le nombre d'espace qu'il faut. C'est-à-dire qu'en gros, là, il faut... What? Et c'est 70 blocs? Bon, je sais pas ce que ça veut dire, 70 blocs, mais bon. Voilà. Et là, on a les textes, les voix. Système... espace de stockage insuffisant, nettoyé. Ouais, je vais... Déjà. Oh putain, il est chaud. C'est bon. Bon, on a parlé des boîtes de jeu. On a parlé donc cette autre boîte de jeu. Et là, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas le petit symbole de l'âge. Alors que c'est obligatoire. Je trouve ça bizarre. Et là, on a pour tout public. Donc ça veut dire qu'en fait, pour tout public, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas le petit symbole. Et là, à l'intérieur, c'est pareil. On va vite vous montrer pourquoi est-ce que la taille des CD sont plus petits. Parce que Nintendo avait peur des hacks qui pouvaient survenir sur PS1. Les gens qui craquaient les jeux par CD et qui les mettaient simplement dans leur console. Mais ça change quelque chose de réduire la taille du CD pour éviter le piratage? Bah oui, parce que du coup t'as pas ce format de CD, tu vois, chez toi. Ils ont pas con. Et de toute façon, après la Wii, quand elle arrivait, on a tous connu ce fameux gars qui avait tous les jeux craqués. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que la N64 portait des cartouches plutôt que des CD? Pareil, parce qu'elle voulait pas le piratage. Et le CD, hop, plus petit. Il y a quand même autant d'espace qu'un CD PS2, 1,4 Go à peu près. Et voilà. Bon, passons vite faire la manette. Avant de montrer les menus. Donc là, c'est une manette. Là, on a notre premier joystick avec ce forme de diagonale pour être vraiment bien sûr de savoir à quel angle tu vas, notamment dans les jeux de combat. Si tu veux faire un quart de cercle, quoi, ça peut être utile. Ici, on a le petit Z qui est un joystick plus petit. Les joysticks ne se pressent pas comme sur PS2 ni PS1. Là, on est vraiment. Voilà, on sent bien, on a la croix directionnelle qui, ma foi, est plutôt bonne qualité. Le start et pause, parce que là, il n'y a plus de select, ça y est, le select, il ne sert plus à rien. On a les deux grosses gâchettes là derrière. On aurait aimé une gâchette ici, comme là. Là, on n'en a qu'une. Gâchette qui sert généralement à changer la caméra. Et là, on a le premier bouton, le bouton A, le bouton B, le bouton X et le bouton Y, qui sont posés de façon à ce que la manette soit ultra ergonomique pour jouer. Une manette qui est assez spéciale au niveau du design. Je ne sais pas si tu l'aimes bien ou pas, cette style de manette. Moi, j'aime bien. Tu préfères les manettes de PS2 ou celle-là? PS2, elles sont classiques, celles-là, elles sont particulières. Ouais. J'ai pas de préférence. Voilà. Et on va maintenant pouvoir couper et on va passer à l'allumage.